Le prélude, on le fait en entier avec les deux. Non. En fait, on file ouais. Le truc. On arrête. On fait aucune reprise. Quoi. Okay. Donc il n'y a pas ouais. Le de la deuxième. En fait, non, mais en fait, il y a. Ça, bonjour à tous, merci de prendre place pour ce temps de culte. On me signale qu'on a déjà un petit peu de retard, alors on va faire silence. Chers amis, bonjour. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous n'avez pas trop souffert de la chaleur passée ou de la chaleur présente encore. En tous les cas, la pluie est un peu revenue et la terre en avait bien besoin. Elle était assoiffée. Ce dimanche, soyez les bienvenus dans cette salle de culte. Nous sommes ensemble pour adorer, pour louer l'Éternel et pour recevoir de sa part un message de vie, un message d'encouragement et de bénédiction. Bienvenue aussi aux internautes qui fidèlement suivaient nos cultes derrière vos écrans. Que le Seigneur vous bénisse et sentez-vous en communion avec nous. Et je salue à nouveau tout particulièrement mes amis dans le Loiret qui fidèlement écoutent ce culte. Voilà, ça leur fait plaisir. Et surtout Élodie, ma jeune amie. Je vous invite à écouter le prélude et à entrer dans la méditation de ce culte. La parole du Seigneur nous accueille ce matin avec le psaume 105, les versets 1 à 4. Louez l'Éternel, faites appel à son nom, faites connaître ses hauts faits parmi les peuples, chantez en son honneur, jouez de vos instruments en son honneur, célébrez toutes ses merveilles, placez votre fierté dans son saint nom. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel et à sa force. Recherchez constamment sa présence. Prions ensemble pour remettre ce culte sous l'autorité du Seigneur. Seigneur, merci de pouvoir nous réunir une fois encore pour te louer et te célébrer. Et nous sommes dans la joie d'être dans ta maison. Merci pour ce temps de culte et de communion avec toi et les uns avec les autres. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, tu es notre Père et nous croyons que tu nous veux du bien. Que ton esprit nous remplisse de toi, que ton saint nom soit glorifié et que ta parole puisse nous faire du bien. Gloire à Dieu. Amen.
Je vous invite à entonner ces deux chants de louange et d'adoration. Je chanterai gloire à l'Éternel et béni soit ton nom. Levez-vous pour chanter. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi, Jésus-Christ. Même si je suis fragile, même si c'est ici, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, tes bienfaits font naître en moi
chant de louange. Et le cœur de la nuit, Seigneur, je redirai, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Chers amis, nous voilà à la date du dernier dimanche du mois de juin et donc à la veille des vacances d'été. Ces semaines à venir seront l'occasion pour plusieurs d'entre nous de prendre des vacances. Prendre des vacances consiste à changer de lieu d'habitation, à sortir des villes ou du coin de campagne dont on est trop habitué. Prendre des vacances, c'est aussi pour quelques jours ou quelques semaines rompre avec notre quotidien, mettre à distance le travail et toutes nos préoccupations, à condition bien sûr que nos smartphones soient muets. Le but est de pouvoir se reposer, se ressourcer, de pouvoir profiter de magnifiques paysages qui existent sur notre planète Terre. Dans les paysages de montagne ou face à l'océan ou en forêt devant un ruisseau ou un torrent ou lorsque nous entendons le chant des oiseaux, nous pouvons être saisis d'émotion devant tant de beauté. Et le psaume 104 résume de façon poétique la création du monde telle qu'elle est présentée dans Genèse 1. Psaume 104, les versets 1 à 13 et le verset 24. Bénis l'Éternel, mon âme. Éternel, mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu es revêtu de splendeur et de magnificence. L'Éternel s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Il étend le ciel comme une tente. Il construit sa demeure au-dessus de l'eau. Il fait des nuages son char. Il s'avance sur les ailes du vent.
Il a établi la terre sur ses fondements. Elle ne sera jamais ébranlée. Tu l'avais couverte de l'océan comme d'un vêtement, l'eau recouvrait les montagnes. Elle a fui à ta menace. Elle s'est sauvée au son de ton tonnerre. Des montagnes se sont élevées. Des vallées se sont abaissées à la place que tu leur avais fixée. Tu as posé une limite que l'eau ne doit pas franchir, afin qu'elle ne revienne plus couvrir la terre. Il conduit les sources vers des torrents qui parcourent les montagnes. Tous les oiseaux sauvages y boivent. Les ânes y étanchent leur soif. Les oiseaux du ciel nichent sur leurs rives et chantent dans les feuillages. Du haut de sa demeure, Dieu arrose les montagnes. La terre est rassasiée du fruit de ton travail. Que tes œuvres sont nombreuses, Éternel. Tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est remplie de tes biens. Entonnons ce chant pour célébrer Dieu, le Dieu créateur, le Dieu qui est aussi notre Père et qui prend soin des animaux et, à plus forte raison, qui prend soin de nous. Abba, Père. Tu me formes de la poussière. Tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant les premiers battements de mon cœur. Bien avant que je m'éveille à ta douceur. Bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs. Tu rêvais du jour où je pourrais te. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba, Père, je suis à toi. Abba, Père, je suis à toi. Abba, Père, je suis à toi. Abba, Père, je suis. Tu pourrais m'aimer. Bien avant que mon péché brise ton cœur. Bien avant que coule le sang et la sueur. Bien avant les clous, le froid et la douleur. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Je suis à toi, Abba, Père, 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 je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Et je viens pour être dans tes bras.
Pour pouvoir mieux encore admirer les montagnes, les lacs et les vallées, il existe un moyen original pratiqué par de nombreux adeptes, le parapente. Il y a 2 semaines environ, nous sommes arrivés en haut d'une montagne qui surplombe le lac d'Annecy. Et d'où s'envolent, chaque jour de météo favorable, des dizaines de parapentistes. Avez-vous déjà assisté de près à l'envol d'une voile ? Oui ? Qui dans cette salle a déjà pratiqué ce sport ou simplement réalisé un baptême ? Mathieu, merci. En tous les cas, il faut un certain courage, une bonne technique et surtout du matériel fiable, parfaitement vérifié et utilisé dans les règles de sécurité pour s'élancer dans le vide et pour se laisser porter par le vent. Il y a une petite vidéo que je vous laisse regarder. Les contrastes sont peut-être un petit peu dilués, mais en tous les cas, c'est quelque chose de magnifique à regarder. Tu pourras mettre la photo aussi. Certains parapentistes cherchent à prendre de l'altitude pour voler de plus en plus haut, et pour cela, il leur est nécessaire de se laisser porter par un courant d'air ascendant produit par de l'air chaud. Une des techniques pour y arriver est de conduire sa voile à l'approche des rochers et des falaises exposées au soleil. Ces rochers, en emmagasinant la lumière du soleil, émettent un air plus chaud, donc plus léger, et c'est cet air chaud qui permet aux parapentistes de repartir de plus belle et de voler de plus en plus haut. En observant les départs d'envol, il m'est venu à l'esprit des symboles pour la conduite de notre vie chrétienne. Préparer sa voile, c'est comme préparer son cœur pour laisser le Seigneur y entrer. Remplir de vent et de souffle l'aile ou sa voile, c'est comme nous laisser remplir par le souffle du Saint-Esprit. S'appuyer sur l'air emmagasiné sous la voile, c'est comme s'appuyer sur le Seigneur et lui faire confiance. Voler et pouvoir se diriger, c'est comme apprendre à laisser diriger sa vie par le Seigneur. Rechercher les courants ascendants près des falaises, c'est comme s'approcher par la prière de notre rocher céleste qu'est Jésus-Christ. Peut-être la parabole de la voile du parapente vous suggère-t-elle encore d'autres images pour votre vie de foi. On pourra échanger à l'issue du culte si vous le souhaitez. Je vous invite à chanter « Jésus soit le centre, soit le vent dans mes voiles ». Et pendant ce chant, les enfants peuvent rejoindre l'école du dimanche et leurs moniteurs les rejoindront là-bas. Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Jésus, sois le centre, sois mon espoir, sois mon chant, Jésus. Jésus, sois le centre.
Une multitude de gens, tous différents. Et nous disions, Dieu les a tous créés et il les aime. Et bien qu'on de répondre, oui, mais la plupart ne le savent pas. Pourtant Dieu, dans son amour pour sa création, a fait don de sa parole et de ses commandements, afin que nous vivions et soyons bénis. Cette parole n'est pas cachée, mais il faut la recevoir et l'accepter. Il est question de vie ou de mort. Dans Deutéronome 30, les versets 15 à 20, il est dit « Regarde, je mets aujourd'hui devant toi le bien, la vie et le bien, ou la mort et le mal. En effet, je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies, de respecter ses commandements, ses prescriptions et ses règles, afin de vivre et de te multiplier, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession, et ce pays, c'est notre vie. Mais si ton cœur se détourne de lui, si tu ne lui obéis pas, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous le déclare aujourd'hui que vous périrez. Vous ne vivrez pas longtemps sur le territoire dont vous allez prendre possession une fois le Jourdain passé. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin de vivre, toi et ta descendance, en aimant l'Éternel ton Dieu, en lui obéissant et en t'attachant à lui. » Et 1 Jean, les versets, au chapitre 5, les versets 3 à 4, répond « En effet, l'amour envers Dieu consiste à respecter ses commandements. Or, ces commandements ne représentent pas un fardeau, puisque tout ce qui est né de Dieu remporte la victoire contre le monde. Et la victoire qui a triomphé du monde, c'est notre foi. Qui est victorieux du monde ? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu ? Oui, le salut est à notre disposition. Oui, choisis la vie. Tout ce que nous avons à faire, c'est d'accepter ce don. Que le Seigneur bénisse sa parole. » Je vous invite à prier pour le message que va nous adresser Samuel. Seigneur notre Dieu, nous nous humilions devant toi parce que souvent, nous négligeons tes commandements et nous nous en éloignons. Pardonne-nous, Seigneur, et que ta parole prêchée maintenant édifie et fortifie notre foi. Et comme il est écrit dans Éphésiens 1, illumine les yeux de notre cœur. Bénis Samuel, inspire-le et accorde-lui un esprit de sagesse et de révélation. Amen. Merci, Christiane, de nous avoir amenés jusqu'ici. J'étais le week-end dernier à la conférence annuelle en Suisse. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec notre Église et le mode de fonctionnement de notre Église, c'est un peu un rassemblement des Églises avec qui nous formons une union. Donc là étaient représentées les églises suisses méthodistes, les églises d'Afrique du Nord et les églises françaises. Au cours de ces trois jours, quatre jours de réunion, on a eu un moment où les pasteurs sont allés dans leur coin pour discuter et où les laïcs, donc ceux qui ne sont pas pasteurs, ont pu rester ensemble. Et nous avons eu une intervention d'une experte en communication pour nous aider, ceux qui prennent la parole devant ici, à transmettre un message, à attirer
l'attention des uns et des autres. Et elle nous a dit qu'il fallait commencer nos interventions en apprenant par cœur les deux premières phrases et apprendre par cœur les deux dernières. Voilà, donc pour les deux premières, c'est chose faite. On verra si j'arrive à me souvenir des deux dernières. Une partie importante de mon travail consiste à écouter les projets des gens et à les aider à les réaliser. Et j'ai pu constater que nous n'abordons pas tous les nouveaux projets de la même manière. C'est normal. Nos cerveaux ne fonctionnent pas de la même façon. Chacun a développé, de par son éducation, son instruction, mais son expérience aussi, une façon de penser, de raisonner. Il m'arrive bien souvent, face aux préoccupations de mes interlocuteurs, de leur répondre qu'ils ne se posent pas les bonnes questions, ou du moins pas dans le bon ordre. C'est un peu comme si vous aviez un projet d'achat d'une maison, d'une habitation, de construction, et que vous commenciez à réfléchir au mobilier de la cuisine. Ah, moi je voudrais des armoires rouges. Et voulant passer à l'acte, vous commenciez déjà à acheter l'électroménager. Alors, la cuisine est importante. La cuisine peut être au centre de votre maison, mais peut-être qu'il serait plus utile de commencer à réfléchir à la localisation de votre terrain, au plan de la maison, à votre budget. Je suis sûr que vous avez également des projets de vie, de carrière, de famille. Peut-être que suite à l'introduction de Christiane, vous avez désormais envie de faire du parapente. Dans l'Église aussi, nous avons des projets. Et cet après-midi, nous allons avoir un moment d'échange autour de ce que nous souhaiterions voir naître dans nos bâtiments à Emmanuel. Alors, je voulais que nous puissions ce matin réfléchir un peu à cette question. Qu'est-ce que la Bible peut m'apprendre à ce sujet ? Eh bien, la Bible a beaucoup à nous dire. On ne va pas tout voir, je vous rassure. De quoi parlons-nous ? Qu'est-ce que c'est qu'un projet ? C'est tout travail qui est entrepris ou tenté. C'est l'intention qu'on a de réaliser quelque entreprise et qui prend en compte les moyens utiles à sa mise en œuvre. Alors cela m'intéresserait de savoir quel texte ou verset vous viennent à l'esprit naturellement lorsqu'on l'on parle de ce thème. Est-ce que vous avez quelque chose qui vous vient à l'esprit quand on parle de projet ? Un verset, une histoire ? Pardon ? La pierre angulaire, oui. D'autres ont quelque chose qui leur vient ? Ah. La traversée, la fuite d'Abraham d'Égypte, ok, oui. Libération du peuple, c'était un projet. La construction de la maison sur le roc et pas sur le sable. La venue de Jésus-Christ. Et puis il y a un verset, je pense, que vous connaissez tous. Et moi, oui, Jérémie, c'est ça. En effet, moi, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Magnifique comme verset. Eh bien, mes amis, Dieu semble avoir aussi un projet bien précis pour nous. Alors, je vais peut-être vous surprendre par la lecture que j'ai choisie, car c'est pour moi le passage, l'histoire à laquelle je pense lorsqu'il s'agit de projets. Alors, ce n'est pas un texte de référence sur le sujet, pas du tout, ce n'est peut-être pas non plus, et je ne pense pas que ça l'est, le texte le plus important par rapport à ça. Mais il va pouvoir nous apporter quand même peut-être quelques éléments. Disons ensemble. Donc, je lis dans 2 Rois, au chapitre 13. Lorsque Élisée fut atteint de la maladie dont il mourut, Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage et dit « mon père, char d'Israël et sa cavalerie ». Élisée lui dit « prends un arc et des flèches ». «
il se procura un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi d'Israël, « Bande l'arc avec tes mains. » C'est là où il ne faut pas que je me rate. Quand il eut bandé de sa main, Élisée posa ses mains sur les mains du roi et dit, « Ouvre la fenêtre vers l'est. » Je ne peux pas l'ouvrir, la fenêtre. Mais l'est, c'est là. Il l'ouvrit. Élisée dit, « Tire. » C'est quand même pour vous prouver que c'est un vrai arc. Alors, il tira. Je ne vais pas le faire, je vous rassure. Élisée dit, « C'est une flèche de salut de la part de l'Éternel. Une flèche de salut contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Aphek jusqu'à les exterminer. » Élisée dit encore, « Prends les flèches. » Il les prit. Élisée dit au roi d'Israël, « Frappe contre terre. » Alors il frappa trois fois et s'arrêta. L'homme de Dieu fut saisi d'indignation contre lui et dit, « Il fallait frapper 5 ou 6 fois, alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à les exterminer. Maintenant, tu ne les battras que 3 fois. » Je repose. Hein. Ça tient. Voilà. C'est pas grave, c'est pas grave. Ça restera par terre. Alors, un peu de contexte. Alors, c'est pas une étude biblique, bien sûr, mais juste pour vous replacer un petit peu l'histoire. Je pense pas que tout le monde est forcément très familier avec ce roi Joas. Ce récit relate un événement qui intervient dans les derniers jours de la vie du prophète Élisée. Il met en scène le roi de Juda, Joas. Sur ce roi, la Bible nous indique que Joas fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel tout le temps qu'il suivit les instructions du sacrificateur Éoïada. Joas a débuté son règne un peu dans la tourmente. Il n'avait que 7 ans lorsqu'il est monté sur le trône. Et il a régné pendant 40 ans. Donc ça veut dire que potentiellement, à 47 ans, il s'est passé quelque chose de pas terrible. Malgré le fait qu'au début, Joas a fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, il a quand même fait tuer le prophète Zacharie, fils du sacrificateur Éoïada. Car ce dernier lui avait rappelé qu'adorer les idoles n'était pas la chose à faire. Il y a un lien de parenté en plus entre les uns et les autres. Et il faut savoir que Joas a été en partie recueilli par sa tante, donc par Éoïada et son épouse, lorsqu'il était jeune. Cet acte a scellé le sort de Joas, où un an après, l'armée des Syriens, pourtant inférieure en nombre, a battu l'armée de Juda. L'Éternel livra entre leurs mains une armée très considérable parce qu'ils avaient abandonné l'Éternel, le Dieu de leur père. Ainsi, les Syriens furent l'instrument d'un jugement contre Joas. Un peu plus loin, on peut lire, « Lorsqu'ils se furent éloignés de lui, après l'avoir abandonné dans de grandes souffrances, ses serviteurs conspirèrent contre lui à cause du sang des fils du sacrificateur Éoïada. Ils le tuèrent sur son lit et il mourut. » Ça, c'est la fin du règne de Joas. Triste fin. Mais remontons un petit peu pour revenir à notre histoire. On est à un moment privilégié entre un roi et son prophète en fin de vie. Élisée était un des plus grands prophètes que nous ayons connus, celui qui a réalisé le plus de miracles dans l'Ancien Testament. Et il va délivrer ici son dernier message, sa dernière prophétie.
Il est ici pour annoncer quel projet Dieu a pour lui et Israël. Il offre là une chance à Joas de décider s'il souhaite suivre le plan de Dieu ou s'en écarter. Instant assez rare dans une vie où un choix que nous avons à faire détermine notre avenir. C'est à travers cette histoire et l'éclairage d'autres textes bibliques que je souhaite aborder d'abord avec vous le projet de Dieu, pour ensuite examiner quelles sont les différentes attitudes que nous pouvons avoir face à ce projet, par rapport notamment à ce qu'a pu faire Joas. Alors, le projet de Dieu, on pourrait en faire une thèse, voire des thèses, alors je vous rassure, je vais être assez court. Est-ce que Dieu est comme... Tu peux passer à la suivante, ça ne marche pas. Merci. Est-ce que Dieu est comme ce capitaine de bateau qui ordonne sans considération des doutes et craintes de ses rameurs? Sommes-nous comme ces rameurs, en action, mais sans connaître la destination? Je ne crois pas. Le texte nous informe de la finalité du plan de Dieu exprimé ici par, rappelez-vous, la flèche de salut. Nous restons dans la métaphore guerrière qui ne nous est pas inhabituelle. Elle est présente dans l'Ancien Testament, mais aussi dans la Nouvelle Alliance, où la vie spirituelle est comparée à une bataille qui nous faut mener. Le projet de Dieu pour son peuple est le salut. La racine du mot signifie dans l'Ancien Testament « mettre au large », « délivrer ». Dieu est dans cette histoire, comme dans nos vies, le seul moyen pour avoir le salut, la victoire définitive sur nos ennemis. J'insiste sur le mot définitif, car nous sommes en mesure, par nos propres forces, de remporter des batailles, mais pas la victoire, celle sur le péché et la mort. Le projet de Dieu pour les hommes est bien un projet de paix, dans la mesure où il consiste à délivrer les hommes, à les sauver de leurs ennemis, mais également d'eux-mêmes. Ce projet est bon pour nous, cela ne fait aucun doute. On reprend le verset que j'ai lu tout à l'heure, je vais juste lire la suite, le verset 12. « Alors vous m'appellerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, parce que vous me chercherez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, déclare l'Éternel. » Pour parvenir à notre but, Dieu ne nous laisse pas sans rien. Il nous donne des outils. Toute une série d'armes et de munitions à notre disposition. Il souhaite que nous participions à son projet. Il souhaite que nous en soyons les acteurs. L'arc d'abord. Instrument indispensable à l'envoi d'une flèche. Cet arc, vous l'avez vu, n'est pas bandé à l'origine. Pourquoi ? Parce que si on le laisse tout le temps tendu, la corde va finir par se détendre et il va devenir inutile. Le soldat, du coup, détend la corde dans les moments de paix et de sérénité. Je ne vais pas me risquer à une interprétation douteuse sur la signification d'un arc dans la Bible, mais seulement quelques éléments. D'abord, c'est Dieu qui, par l'intermédiaire de son prophète, commande à Joas de se procurer un arc. Dieu nous donne les moyens, mais nous avons notre part à faire. Disposer de l'arc n'est pas suffisant. Il faut ensuite le mettre en condition pour l'utiliser efficacement. C'est comme si nous avions des dons et des compétences, mais que nous ne les utilisions pas pour l'usage que le Seigneur a prévu. Imaginons un arc sans corde. À quoi peut-il bien servir ? C'est un bâton, et encore un bâton qui n'est pas très pratique, parce que pas forcément très équilibré. Il en est de même de notre Bible. Nous en avons tous une chez nous, je pense, même plusieurs. Mais à quoi peut-elle bien me servir si je ne la lis pas ? De serre-livre tout au plus. Mais cela peut même être encore plus grave que ça. Avoir des dons et des capacités que Dieu nous donne pour son service et ne pas
les développer, ne pas apprendre à s'en servir, ne pas progresser dans leur usage. Que dirions-nous si nos musiciens, faute de jouer suffisamment, se mettaient à jouer de plus en plus faux ? Nos capacités, qui ne sont pas exploitées, perdent de leur matière. À la conférence annuelle, le week-end dernier, j'ai pris le temps de regarder les comptes de nos amis suisses. Et il se trouve qu'ils avaient quand même pas mal d'argent, de trésorerie sur leur compte. Alors me direz-vous, tant mieux, ils sont prévoyants, et au moins, ça crée des intérêts. Je vous rappelle la parabole des talents, le maître qui dit, mais ton argent, tu l'aurais pu au moins le mettre en banque, ça aurait rapporté des intérêts. Sauf qu'à l'époque, ils ne connaissaient pas le concept d'intérêt négatif. Vous avez entendu parler des intérêts négatifs ? On a dû en parler aux infos. En gros, l'argent qui est stocké, non, il ne gagne pas d'intérêt, en fait. Il perd de sa valeur. Voilà, parce qu'on était dans une période de forte croissance dans le monde, et l'argent placé ne rapportait quasiment plus rien. Vous l'avez vu avec votre livret A, 0,5%, voire 0. Eh bien, les Suisses, c'était des intérêts négatifs. Et je ne parle pas de quelques milliers de francs suisses, je parle de dizaines de milliers de francs suisses de pertes. Que faisons-nous de nos talents ? Je vais poser ça parce que j'ai l'impression que je vous menace avec une flèche. Voilà. Que faisons-nous de nos talents, de notre arc et des flèches que Dieu nous donne ? Ensuite, Élisée va mettre sa main, on l'a lu, sur celle du roi, comme pour le rassurer, comme pour guider son geste. Dieu garde le contrôle. C'est lui qui vise, c'est lui qui s'assurera que la flèche arrive à destination. Et cette pression de viser juste n'est pas et ne doit pas être sur nos épaules. Ce qui est rassurant, n'est-ce pas ? Mais pas forcément évident à vivre. Cela m'amène à évoquer maintenant l'attitude de Joas et la nôtre par la même occasion. On va voir que Joas va adopter plusieurs attitudes différentes. D'abord, une attitude de soumission et d'humilité. Joas vient se soumettre à Élisée, qui est désigné ici comme l'homme de Dieu, et il lui exprime tout son respect. Il va le faire de deux façons. D'abord, en l'appelant « mon père », expression de grand respect qui va traduire une hiérarchie naturelle entre l'un et l'autre. Mais aussi une attitude reconnaissante par l'expression « char d'Israël et sa cavalerie ». Alors, ce n'est pas une façon habituelle qu'on a de s'adresser à quelqu'un, on est bien d'accord. Cette référence indique à travers le prophète, Dieu est le véritable et la véritable armée. C'est lui l'arme ultime, l'arme secrète des Israélites. Il représente la seule véritable défense d'Israël contre ses adversaires. Et Joas reconnaît ainsi son allégeance à Dieu avant toute chose. Il ne peut y avoir de véritable entreprise sans soumission à notre Dieu, en dehors de son autorité et de sa protection, sans reconnaître qui est Dieu et ce qu'il représente pour moi. Cette attitude louable de Joas va un peu évoluer avec le temps. Nous choisissons parfois d'autres chemins. La marge de manœuvre que nous avons dans les projets de Dieu est finalement importante. Dieu dit, mais il nous appartient d'agir. Relisons les deux derniers versets du texte. « Prends les flèches, il les prit. » Élisée dit au roi d'Israël, « Frappe contre terre. » Alors il frappa trois fois et s'arrêta. L'homme de Dieu fut saisi d'indignation contre lui et dit, « Il fallait frapper 5 ou 6 fois, alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à les exterminer. Maintenant, tu ne les battras que 3 fois. » Que signifie réellement ce passage ? Suite à l'envoi de la première flèche, Dieu n'avait-il pas déjà promis la victoire aux Syriens, sur les Syriens ? Alors pourquoi cette nouvelle demande ? La première flèche qui fut tirée en direction de l'Orient, de l'Est, signifie la victoire sur les Syriens qui avaient occupé le pays d'Israël au-delà du Jourdain, à l'Est du Jourdain. La nouvelle, la dernière demande
d'Élysée consistait à vaincre définitivement les Syriens et pas seulement une bataille. Quelle est la part de responsabilité de Joas dans son action, dans sa retenue? Peut-on lui reprocher de ne pas avoir lancé davantage de flèches, parce qu'il en avait à disposition? Quand vous cherchez un carquois, vous en voyez un ici, vous n'avez pas quatre flèches, vous en avez beaucoup plus. Donc certainement qu'il était venu avec beaucoup plus de flèches. Une petite précision avec l'expression « frapper contre terre ». Qu'est-ce que ça veut dire « frapper contre terre » ? Alors ça ne veut pas, quand on le lit la première fois, on peut penser que ça veut dire qu'on prend les flèches, là, les trois, et on frappe. Voilà. Donc ce n'est pas ça que ça veut dire. Frapper contre terre, enfin, là je vous dis que ça ne veut pas dire, c'est ce que les commentaires disent, hein, mais vu qu'ils sont tous d'accord, pour une fois, on va considérer qu'ils ont raison. Frapper contre terre signifiait donc d'armer l'arc, d'aller à la fenêtre et de tirer au sol, vers le sol. Hein, pas en direction de l'Orient, mais tirer au sol. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Et donc ça, il l'a fait effectivement trois fois. Un peu comme s'il fallait achever un ennemi qui est à terre déjà, et donc on va lui tirer directement dessus. Il ne semble y avoir aucun doute que Joas savait ce qu'il faisait lorsqu'il s'est limité à trois flèches. Chaque flèche signifiant une nouvelle victoire sur les Syriens, il aurait dû, plein d'entrain, de zèle, vider son carquois. Mais ce n'est pas ce qu'il a fait. Il a choisi délibérément de ménager les Syriens. Les commentaires disent qu'il s'agissait ici d'un calcul politique pour Joas, qu'il ne voulait probablement pas détruire la Syrie. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient un autre ennemi qui était la Syrie, au-delà de la Syrie, et qui voulait se servir de la Syrie comme de la plus loin, Syrie, pardon, comme un tampon entre Israël et la Syrie, d'autre part. Voilà, c'est un peu compliqué. Hein. J'aurais dû faire un dessin ou une carte, mais vous avez compris. Calcul politique de la part de Joas. Et je pense que ce texte illustre bien que nous sommes souvent la limite la plus importante au projet de Dieu pour nous. Nous en sommes le frein principal. Est-ce un manque de zèle, un manque de foi, un manque de confiance dans le plan de Dieu pour nous ou pour notre Église? Ce comportement est contradictoire. D'une part, obéir à Dieu, mais comme si cette obéissance trouve une limite dans ma propre conception des choses. Oui, Seigneur, je suis d'accord avec toi, ok, pour faire un, deux, trois pas avec toi. Mais après, je préfère attendre, me retirer, réfléchir et regarder ce qui est le mieux pour moi. Ni froid, ni chaud, mais tiède. Ou encore avec un cœur qui n'est pas fermement attaché à Dieu. Ce n'est pas là ce que Dieu veut pour nous. Il souhaite une soumission totale de notre part. Non pas une soumission aveugle, mais une soumission dans l'intelligence de l'Esprit Saint. En pleine conscience, non pas de la portée de nos actes, mais dans la conscience en l'absolue souveraineté et toute-puissance de notre Seigneur. Chers frères et sœurs, ce texte nous invite, me semble-t-il, à avoir de l'ambition dans les projets que nous menons pour Dieu. Une ambition qui va au-delà de notre propre raisonnement et intelligence. Il nous invite à dépasser nos frontières et nos barrières mentales pour entrer sur le territoire de notre Seigneur. Ne soyons pas comme cet âne, voyez, qui se crée des barrières tout seul. Soyons plutôt comme des enfants. Ma sœur me racontait l'autre jour que ma nièce avait trouvé le métier qu'elle voulait faire plus tard. Ma nièce a 7 ans. Et elle m'a dit, tonton, moi je veux être présidente de la République. Notre réflexe, c'est de sourire, comme vous l'avez fait, comme je le fais. Elle est mignonne. Pensons-nous. Sous-entendu, ben oui, on voit bien qu'elle n'est pas consciente de la réalité et de la difficulté des choses. On n'aurait pas forcément réagi de la même façon si elle avait annoncé un métier plus commun. Je nous encourage, comme le Seigneur nous y invite, à avoir parfois l'innocence
des enfants. Innocence rendue possible par une pleine espérance en l'avenir et en l'action de Dieu dans nos vies. Confiance en Dieu. Je vais conclure. J'avais prévu un autre texte, mais on va le passer. Raphaël, si tu veux bien. Ah non, c'est bon. Voilà, merci. Ne ratons pas les occasions que nous avons pour accomplir le projet de Dieu pour notre vie. Ne ratons pas les occasions que nous avons en tant qu'Église pour faire de toutes les nations des disciples. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson ? Eh bien, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui sont blancs pour la moisson. Il ne faut pas attendre, il faut y aller tout de suite. Soyons ambitieux dans nos projets, d'une ambition saine, non pas pour notre propre gloire, mais pour celle de notre Seigneur. Utilisons nos dons et nos capacités à son service. Laissons-nous guider par lui, et tout comme Élisée pose sa main sur celle du roi, pour guider son geste, le Seigneur guidera nos paroles et nos gestes. Pour terminer, Job répondit à l'Éternel : « Je reconnais que tout est possible pour toi et que rien ne peut s'opposer à tes projets. » Je reconnais que tout est possible pour toi et que rien ne peut s'opposer à tes projets. Amen. Je vous invite à la prière. Oui, Seigneur, ce texte nous amène à l'humilité devant toi, nous amène à reconnaître que tu es notre guide, que tu es celui qui peut nous amener à la victoire, que tu es celui sans qui nos projets n'ont aucune consistance et ne peuvent aboutir, Seigneur. Nous voulons nous en remettre à toi, que tu puisses nous guider sur ton chemin, nous accompagner à chaque étape, que si par hasard nous nous égarions sur la route, que tu puisses nous ramener sur ton chemin. Oui Seigneur, nous te prions pour notre Église, nous te prions pour nos réflexions, nos projets, nos désirs, qu'ils puissent être inspirés par ta grâce, inspirés par ta sagesse. Que nous ne nous mettions pas de barrières humaines, Seigneur, et qu'en toute chose, nous levions les yeux et que nous puissions regarder à toi. Seigneur, je te remets le temps qui va venir, le temps de Sainte-Cène, où nous allons pouvoir communier les uns et les autres et nous rappeler le sacrifice que tu as fait à la croix pour nous. Amen. Pour introduire ce temps de Sainte-Cène, je vous propose de chanter le chant « Tu es venu jusqu'à nous ». Serviteur, tu nous appelles tous à toi.
En effet, c'était le rêve de notre Père, hein, comme on a chanté tout à l'heure dans le cantique Abba Père. Hein, il a rêvé qu'un jour, que nous, les humains, nous l'aimons. C'est aussi, c'était son projet. Hein, pour réaliser son projet, c'est lui qui est venu jusqu'à nous. Écoutez, pour introduire le moment de la Sainte Cène, j'aimerais bien tout simplement lire quelques versets de la Bible. Avant le culte, j'ai oublié de demander encore à deux personnes de nous aider voilà, pour la distribution, donc pendant la lecture et aussi pendant le moment de silence et la prière. Si vous êtes Seigneur, j'aimerais bien, voilà, aider, participer à la distribution. Voilà, n'hésitez pas. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. C'est une folie, hein? C'est une folie. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Romains 5. Voici comment Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, le Christ est mort pour nous. Un peu plus loin, alors que nous étions encore ses ennemis, Dieu nous a réconciliés avec lui
pour la, par la mort de son fils. Et j'y rajoute encore un autre passage, c'est 2 Corinthiens. Chapitre 5, à partir du verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le service, ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, sans tenir compte aux hommes de leurs fautes. Et il a mis en nous les paroles, la parole de la réconciliation. Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, le Christ, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. En effet, au péché des hommes, Dieu a répondu par sa grâce. À l'infidélité humaine, Dieu a répondu par sa bonté. À l'excès du mal, Dieu a répondu par l'excès de l'amour, pour dire que son amour est plus fort que le mal. Son amour a vaincu le monde et le péché et le mal. À l'excès de la méchanceté, même de la perversité de l'homme, Christ a répondu par l'excès du pardon, en criant sur la croix, « Papa, Abba Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » C'est une folie. Je vous invite à rester quelques instants en silence pour dire de tous nos cœurs, « Ô Seigneur, je ne sais pas pourquoi toi tu nous as tant aimés. » Et pour reconnaître vraiment notre, pour monter notre reconnaissance. Voilà. Restons quelques instants en silence. Seigneur, nous sommes devant les éléments de la scène qui nous proclament ton amour, ta grâce et ton pardon. Nos mots sont trop petits pour montrer notre reconnaissance. Seigneur, pardonne-nous pour la dureté de notre cœur, pour notre surdité. Seigneur, tu as crié pour nous dire « Je t'aime ». Et j'ai fermé mes oreilles et mon cœur. Tu as frappé jusqu'à ce que je t'ouvre. Merci Seigneur pour ta patience, pour ta détermination. Seigneur,
Tu nous as appelés aussi pour devenir l'ambassadeur de la réconciliation, car il y a encore beaucoup de monde qui ne sont pas encore réconciliés. Seigneur, rends-nous les témoins de ton amour, de ta grâce. Pour la communion de ce repas, la fraternité dans la foi, nous te louons. Donne-nous de les cultiver encore davantage. Pour nos frères et nos sœurs, pour la présence de chacun et chacune, leur service, leur engagement, leur ferveur, nous te rendons grâce. Donne-nous de savoir les aimer comme tu les aimes. Pour la nourriture de ta présence, qui est la sève de notre espérance, nous te louons. Donne-nous de la bien conserver. Pour la grâce de ce repas qui éclaire notre chemin, nous te rendons grâce. Donne-nous de savoir la partager. Amen. Pendant le repas, Jésus prit du pain. Après avoir dit la bénédiction, il le rompit, le leur donna en disant, « Ceci est mon corps. » Puis il prit une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Ceci est mon sang. » Le sang de la nouvelle alliance, versé pour la multitude. En vérité, je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau dans le royaume de Dieu. Seigneur, que ton règne vienne sur nous et sur la terre. Amen. Bon, Samuel, Christiane, donc, et encore deux personnes. Merci Linda. Encore une autre personne. Merci Nicolas. Quel moment heureux hein, de partager ce repas et aussi de vivre la communion voilà, avec notre Seigneur et aussi entre nous tous. Hein. Voici le pain que nous partageons maintenant. C'est le corps de Christ qui est déchiré sur la croix pour notre réconciliation. Prenons et partageons ce pain pour vivre ensemble cette communion, cette réconciliation. Amen.
Voici la coupe que nous partageons maintenant. C'est le sang du Christ versé sur la croix pour notre pardon. Prenons et buvons. Amen. Voilà, c'est pour le moment des annonces. Voilà, Christiane, elle a déjà partagé un peu de notre expo Bible. Donc, depuis mardi dernier, pendant 4 ou 5 jours, à peu près centaines de personnes, 110 visiteurs, qui sont venus, et moi-même, en tant que visiteur aussi, j'ai fait un tour. Voilà, c'était une grande surprise. Waouh! En plus, il y avait une précision. Avant Gutenberg, les Coréens qui ont fait la première impression, qui savait cette nouvelle? Personne. Voilà, vous avez appris quelque chose de très important aujourd'hui. Les Coréens, 1377. Ils ont fait la première impression. Hein? Ouais. Surtout, vous allez voir sur le tableau, il y a encore, voilà, le tableau attend vraiment les gens qui vont assumer la permanence. Hein? Donc, je vous invite, vraiment, je vous encourage d'abord à visiter aussi, hein? À visiter et aussi à être aussi à la permanence. Hein? Sinon, voilà, pour aujourd'hui. Donc, après le culte, qu'est-ce qu'il y aura? Répondez avec plus d'enthousiasme. Hein? Donc, après le culte, qu'est-ce qu'il y aura? Yes! Oh, Pyongan, j'aime pas les tartes flambées.
ça peut arriver. Hein? Donc, en tout cas, donc, même dans ce cas-là, venez pour boire ensemble et pour passer vraiment la journée conviviale ensemble. Hein? Et pourquoi pas, Super 8, il est ouvert dimanche matin, vous pouvez passer pour acheter un peu de sandwich aussi. Donc, les tables sont installées et le four, ce matin, il est arrivé, est en train d'installer, sera bientôt chauffé. Donc, grand merci au groupe de jeunes adultes. Hein. Vous pouvez applaudir. Hein. Donc, ils sont déjà dans la cour pour préparer et pour nous accueillir. Ah, deux volontaires, deux jeunes. Jonathan, tu veux rester avec nous l'après-midi? Ok, c'est très bien. J'ai vu tout à l'heure Joseph, il est venu quelque part, non? Joseph? Ah, tu es là. Jonathan, Joseph, dès que le culte termine, hein, j'aimerais bien vous demander de vous diriger à Emmanuel hein, pour aider. Hein? Ah, tu vas aller avec Joseph. Hein? Ok, très bien, super. C'est fait, ok. Attendez, voir. Ah, quelqu'un qui peut se demander où est Rue Carnac, où est Emmanuel, wo ist Carnac-Strasse? Non, Strasse, voilà. Donc, je vous dis, cherchez et vous trouverez. Mais c'est très biblique, hein? Ne vous inquiétez pas, il y aura des gens qui vous accompagnent jusqu'à là-bas. Donc, sinon, vers la gare, à peu près, même si on marche lentement, peut-être à peu près, ça prendra 10 minutes. Hein? J'aimerais bien qu'on se retrouve là-bas tous ensemble. Hein? Cette année, il n'y a pas de ticket, je vous précise, mais il y aura une corvée avec les tarifs indicatifs. Mais en aucun cas, l'argent ne doit pas être l'obstacle. Voilà, notamment à nos amis, nos frères et nos sœurs albanais. Donc, venez nombreux. Et après le l'offrande, tout l'argent que nous allons récolter est destiné à aussi aider voilà, l'œuvre missionnaire de notre conférence annuelle, c'est-à-dire Connexion. Et après, donc, il y aura aussi un temps d'information et de partage sur l'avenir de le bâtiment de Carnac. Sinon, très rapidement, des activités en semaine, lundi, à 19h30, réunion de conseil par Zoom. Mardi à 19h30, études bibliques en présence à Emmanuel et en même temps c'est par Zoom. Mercredi, voilà, club public l'après-midi à Emmanuel. Cette fois-ci, les enfants de club public vont visiter la médiathèque qui est près de notre église Emmanuel. Donc, à 14h, le rendez-vous. Entre Catherine, elle va vous envoyer aussi un message pour confirmer. Vendredi, comme nous avons reporté l'étude biblique de la semaine dernière, donc cette semaine, il y aura l'étude biblique vendredi 30 juin à 14h30. Vendredi dernier, nous avons accueilli 62 voilà, personnes de CSP, ce centre social protestant, avec dizaines de bénévoles de notre église. Ils étaient 80 personnes qui ont passé une belle journée. Certainement, Pierre-Emmanuel ou l'équipe va nous faire un compte-rendu dans notre bulletin de l'église. Et samedi prochain, le 2 juillet, j'ai vu aussi les jeunes catéchumènes, tout cela. La clôture officielle du caté et du groupe de jeunes de l'année, il y aura soirée de barbecue. Oh, soyez jaloux. Voilà. Chez Catherine et Pierre Pfeiffer. Donc, j'ai vu quelques jeunes là-haut, catéchumènes, tout cela. Vous êtes tous invités. Hein?
Donc, je vais vous envoyer un message. Voilà, Adrien aussi va envoyer au groupe de jeunes un message pour eux, pour le rendez-vous, l'heure de rendez-vous et le lieu de rendez-vous. Sinon, dimanche prochain, le culte. Et aussi une annonce spéciale. Je pense tous, ou sinon la plupart d'entre vous, ont reçu le faire-part du mariage de Dipa et Adèle. Voilà, je vous demande de prier. Voilà, pensez vraiment ce couple dans vos cœurs, vos esprits. Ben, la date, c'est le 12 juillet à 15h30, mariage civil. Et à 17h30, cérémonie religieuse à l'église réformée de Saint-Paul. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Je ne pense pas. Pour une fois, je n'ai pas oublié. Sinon, je vous invite à vous lever. Tout d'abord aussi, merci aux musiciens aussi, Brandon aussi, qui a beaucoup été dans la musique et qu'on avait bien communiqué cette semaine. Merci à Linda et à Pierre pour cet accompagnement. Merci pour la technique, à Raphaël, Sophie, et merci à vous tous d'avoir assisté à ce culte, et la gloire en revient à notre Seigneur. Recevez cette bénédiction, et à la suite, nous chanterons encore ce chant, « Mon ancre et ma voile ». Éphésiens 1, versets 3 à 6. « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance, pour que nous célébrions la gloire de sa grâce, dont il nous a comblés dans le bien-aimé. Amen. Say